Je suppose que si vous cherchiez un docteur, c'est pour soigner cette pauvre enfant. Oui. C'est non seulement ma sœur, mais c'est aussi mon amie, mon ange, ma jumelle. Et que s'est-il passé alors ? Un accident stupide. De chameau ? De tennis. Tu me prêtes ton aiguille ? Bien sûr que non. Merci. De rien. Comment tu me trouves ? Aussi appétissante qu'une brochette de rognon. Ce qu'il faut évidemment traduire par « Oh mon Dieu ! Pourquoi mes parents m'ont-ils donné la beauté et ne m'ont laissé qu'aigreur et jalousie ?» Un jeu partout. Balle neuve. Nous venions d'avoir 20 ans. Agathe était belle comme le jour. Nous avions découvert ce nouveau sport dont nous étions devenus de ferventes adeptes. Et afin d'éviter tout esprit de compétition entre nous, nous ne faisions jamais de match. Nos parties restaient strictement amicales. En pleine euphorie, en plein bonheur partagé, le drame est arrivé. Mademoiselle, ça va ? Mademoiselle, réveillez-vous. Dégagez ! Agathe ! Agathe ! S'il te plaît ! Agathe ! Agathe ! Oh non, pas ça ! Agathe, pardon, je sais pas ! Arrêtez ! Mais allez chercher les secours ! Arrêtez ! Agathe ! Agathe ! Agathe ! Agathe ! Elle est née quelques minutes après moi, mais elle est partie bien avant moi. C'est pourtant la seule course que j'aurais eu plaisir à perdre.